Salut à tous, c'est Tonton Matisse, youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'air info. Alors, aujourd'hui, la première actualité, vous allez vous probablement rien comprendre. Mais c'est simplement, je ne sais pas si vous vous en, vous en rappelez de l'Antonov 225. Et bien là, figurez-vous qu'il y a un deuxième Antonov, alors qui est un peu plus petit que le 225, c'est le 124. C'est lui, regardez, vous avez vu là. Voilà, l'Antonov 124, c'est pas le 225, vous savez que le 225 a été détruit en 2022, donc l'année dernière, mais il reste un Antonov qui ressemble beaucoup à celui qui a été détruit, il ressemble beaucoup à celui qui a été détruit, mais euh, voilà, il vole toujours lui par contre, et je crois qu'il qu existe plusieurs exemplaires de celui-là, je crois. Il me semble que l'Antonov 124, il existe euh, plusieurs exemplaires, je crois. Enfin bref, on va dire l'actualité de plus près. C'est quoi cet énorme avion qui atterrit à l'aéroport de Nice Deuxième plus gros avion du monde, l'Antonov 124 a atterri à l'aéroport de Nice euh, mardi il y a 15 jours je crois, juste avant le 777 d'Emirate. Il revient après plusieurs mois d'absence. L'aéroport de Nice et de nombreux curieux ont vu le deuxième plus gros avion du monde construit en série atterrir sur le tarmac Azurin mardi 17 janvier 2023 en milieu de journée. Donc c'était il y a 15 jours à peu près. Voilà. L'Antonov 124, un transporteur ukrainien qui a, qui a atterri régulièrement sur la côte d'Azur, est revenu sur le sol niçois après plusieurs mois d'absence. Le deuxième plus gros avion du monde en série. Donc, quand il marque en série, ça veut dire qu'il y a plusieurs exemplaires. Hein. Il, y en a, il y en a plusieurs d'Antonov 124. Tout le monde connaît l'Antonov 225, surnommé REV MRIA, réputé pour être l'avion le plus lourd du monde. Mais cet avion, dont il n'existait qu'un qu exemplaire, a été détruit lors des frappes russes en Ukraine début mars 2022 alors que l'avion était stocké dans la base aéronavale du constructeur dans la capitale Kiev l'Antonov 124 est le deuxième plus gros avion du monde produit en série le premier étant toujours l'A380 qui fera d'ailleurs son retour à Nice avec Emirate pour le trajet depuis et vers Dubaï le retour très attendu de l'avion malgré la guerre en Ukraine l'avion ukrainien vient régulièrement sur la côte d'Azur pour livrer et récupérer des pièces pour l'usine Thales. Selon des spotters, ces passionnés d'aviation qui prennent les, aéro les aéronefs en photo et l'aéroport, l'avion est également venu à Nice la semaine passée. Ainsi, c'est le retour de l'Antonov 124 pour ce type d'opération spéciale qui a été un temps remplacé par le C-C5M Super de l'US Air Force en raison de la guerre en Ukraine. Au bord des pistes de l'aéroport de Roissy, avec ses photographes passionnés qui traquent les avions. Passionnés d'aviation, les plane spotters attendent au bord des pistes d'Orly ou de Roissy Charles de Gaulle pour prendre en photo un avion unique. La passion l'emporte surtout. Malgré le, foie, le froid mordant de ce samedi de janvier, ils sont une quinzaine de plane spotters, observa observateurs d'avions, à cette réunion près de l'une des pistes de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Certes, les galettes des rois et autres boissons et gâteaux apportés par chacun peuvent motiver le dé pour le déplacement, mais chacun est surtout là pour prendre en photo l'avion qui manque à sa collection. Après plus de 35 mille atterrissages et décollages uniquement, uniquement pour le mois de décembre 2022, le plus grand aéroport de France est un terrain de jeu idéal. On, on ne parle jamais de boulot. Entre bruits de réacteurs, les observateurs échangent sur leurs dernière photo. Ici, on ne parle jamais de boulot, que des avions, explique en souriant Paul la cinquantaine. Chacun a ses préférences. L'un va seulement prendre en photo les appareils de fret et d'autres des compagnies spécifiques ou encore des lettres privés. Le rendez-vous a été fixé sur le parking situé. Ah bah regardez! Ah là je ne ai vraiment pas fait exprès. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu. Là, comme vous pouvez le voir sur, sur le site de l'actualité, il y a une pub d'Air France qui nous parle. Ah bah elle a disparu la pub d'Air France. Mais il y avait, il y avait une pub d'Air France qui parlait de la de Miami. Ouais, il y avait une pub d'Air France qui parlait de Miami. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, la pub a été remplacée par un autre truc. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait une pub. Elle va peut-être repasser la pub d'Air France là. Regardez, donc là, à la place de la pub que vous voyez, il y a quelques secondes, il y avait une pub d'Air France où il faisait la pub justement pour un vol à destination de Miami. Enfin bref, revenons sur l'actualité. Le rendez-vous a été fixé sur le point sur le parking près de la station de Météo France. Le lieu, bien connu de la communauté francilienne, permet d'être plus près des avions qui desservent le terminal 1 de Roissy. Ah ben bah regardez la revoilà la pub, regardez. Au départ de Paris, Miami, 554 euros. Enfin bref, on s'en fiche, nous, on, on parle de l'actualité. L'escalier métallique de la station offre également un avantage. Il permet de s'élever au-dessus du grillage et des fils barbelés pour prendre des photos. Les âges de ces photographes varient de 20 à 68 ans. On a connu un déclin net du plein spotting après les attentats du 11 septembre 2001, Détail Paul. Mais depuis quelque temps, on a beaucoup de jeunes passionnés qui, remettent le qui reprennent le flambeau. Il serait. 200 spotters réguliers sur l'aéroport Paris Charles de Gaulle et 60 sur Orly. Ce jour-là, il n'y a pas de femmes présentes, mais Paul assure qu'elles sont de plus en plus nombreuses dans le monde du spotting aérien. Un premier maillon de sécurité. Les plaines spotters sont, de, sont plus ou moins acceptés dans les pays. En 2001, des touristes anglais et hollandais avaient été, par exemple, ah, avaient été arrêtés par la police grecque lors d'un meeting aérien sur la base militaire. Au contraire à barcelone une terrasse surplombant le grillage a été construite pour faciliter la prise de vue. d'autres aéroports aménagent des ouvertures dans les clôtures pour laisser passer les objectifs des, autres, des appareils photo. à paris charles de gaulle et orly ils doivent demander une autorisation de la préfecture de police. sur cette dernière des numéros utiles sont affichés comme celui des forces de l'ordre assurant la protection des installations. Se connaissant pour la plupart, les spotters peuvent être vus comme un premier moyen de sécurité en alertant sur des personnes plus suspectes. C'est un peu la recherche du Pokémon rare. A 23 ans, dont 5 de spotting, Benjamin a déjà photographié plus près de 4000 avions, tous uniques, précise-t-il. Un avion peut avoir plusieurs vies entre différentes compagnies, mais reste unique avec son numéro de série. C'est un peu la recherche du Pokémon rare, explique-t-il en, en faisant défiler les photos des avions sur son téléphone. Des avions avec des livrées, ces motifs extérieurs temporaires sont particulièrement recherchés. Un terrain de jeu idéal, mais certains sont plus difficiles à prendre en photo. À l'image des 4-380 de la compagnie Al Nippon Airways, effectuant la liaison entre Tokyo et Hawaï, ils ont une livrée spéciale avec des tortues sur le fuselage. Collectionneurs rarement rassasiés, les Plainspotters aiment échanger entre leurs bons plans pour prendre en photo les appareils rares, les yeux rivés sur Flight Radar qui leur permet de suivre en temps réel le trafic aérien. Ils proposent leurs photos à ce site ou d'autres pour illustrer la fiche technique de l'appareil et, dans certains cas, une petite ré rémunération à la clé. Mardi prochain, le trafic aérien sera de nouveau perturbé, mais uniquement à l'aéroport d'Orly. Ouais, uniquement à l'aéroport d'Orly, à cause évidemment de la grève de la, à cause de la, grève de la réforme des retraites. La... la circulation des transports publics sera fortement perturbée mardi en raison d'une nouvelle journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites, selon des prévisions de trafic publiées dimanche. Dans un communiqué avec un préavis de grève du lundi 30 janvier à 19h. Au mercredi 1er février à 6h, la SNCF dit anticiper un TTV sur 3 en moyenne en circulation, 2 TER sur 10 et 1 RER sur 3 sur 10 et 1 sur 3 et 1 sur 10 en Ile-de-France, ainsi qu'une interruption presque totale du trafic intercité. Pour le métro parisien, la RATP prévoit, bon ça on s'en fiche un peu, mais le principal c'est ce qu'on va voir après, prévoit de nombreuses fermetures de lignes en dehors des heures de pointe d'une circulation extrêmement réduite et des risques de saturation. Là, ah voilà, c'est là, là, là que ça va nous intéresser. La Direction Générale de l'Aviation Civile a en outre annoncé avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire mardi 20%. Donc aujourd'hui, du coup, c'est aujourd'hui au final. Parce que la grève, c'est aujourd'hui. Oui, parce qu'au au moment où je tourne la vidéo, on est encore dimanche, mais c'est aujourd'hui la grève, en fait. Donc la direction de l'aéroport, la direction générale de l'aviation civile. A en outre annoncé avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire aujourd'hui de 20% leur programme de vol à l'aéroport de Paris-Orly. Le, le ministre délégué français chargé des transports, Clément Bonne, a invité, invité dimanche du grand jury RTL Le Figaro LCI, a dit s'attendre à une journée difficile, voire très difficile, pour les transports publics. Donc la greffe, heureusement. Donc si vous, donc la greffe, donc pour les avions, du coup, donc si vous prenez le train, c'est le bazar. Hein. Si vous prenez le train, c'est le gros bazar. Mais si vous prenez l'avion, seuls euh, les vols à destination d'Orly seront perturbés. Donc si vous, part... si vous prenez l'avion à Roissy ou dans un autre aéroport, il n'y aura pas de soucis, Mais si vous allez à Orly, vous aurez des problèmes. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Oui, aujourd'hui, les actualités ne sont pas très chargées, mais bon, c'est pas grave.